Hop, donc pour moi c'est marqué en train de se lire, mais MTI de Normandie, voilà, hop. Alors. Bon, pour moi je le mets en 70, hop, voilà. On va modifier. Ah oui, alors, la police d'écriture, je peux, hop, je clique ici. Je sais pas ce qu'il y a en belle. Belle police d'écriture. Non, c'est pas la taille que je veux, c'est. Allez, s'il te plaît. Il n'y a plus l'aperçu. Avant, il y avait l'aperçu. Je sais pas. Je sais pas trop en quoi mettre la police. Je peux mettre recharge. C'est le recharge, c'est comment? C'est la même police. Voilà, recharge. C'est la même police que vous avez quand au début de mes lives, c'est écrit début du live 14h, ce genre de choses. Voilà, on peut partir sur quelque chose dans le genre. Alors, j'ai envie, c'est de refaire l'arrière-plan, parce que là, il n'a plus aucun sens. Voilà, je peux changer la couleur si je veux. Je peux changer la couleur, je peux mettre. Il me semble que je peux mettre un. Comment ça s'appelle? Une bordure. C'est quoi ça? Ok. Une bêtise. C'est quoi ça? C'est l'interline ça, apparemment. Bon. Parce que sinon, pour faire un. Bah, je peux vous montrer ça sinon. C'est comment faire soi-même un. Comment? Une ombre sous un texte. Vous allez voir, c'est assez marrant, donc enfin, c'est assez sympa. Donc 70, alors on va juste donc le mettre en noir. Valider, non, c'est pas ce que je voulais, c'est hop ça en noir, valider. Voilà, donc on va commencer déjà par l'ombre, on va commencer par ça. Donc, hop, et mon idée ce serait de le mettre, voilà, juste au niveau. Non, c'est pas ce que tu veux, c'est ça. Hop. Voilà, juste côté du Vasto Lordes. Ok, voilà. Et on va le mettre voilà, derrière comme ça. Voilà. Et donc, calque. Découpage automatique du calque. Voilà. Ah oui, mais non. Justement, c'est là que ça va coincer. Faut que le calque. Quelques dimensions de l'image. Voilà. Et là, j'étends le calque en fait aux dimensions de l'image. Ça veut dire que le calque est aussi grand que le reste. Voilà. Donc là, je prends mon outil de floutaison que je vais mettre un peu plus fort, genre 60%. Et là, bing. Voilà. Je floute complètement mon pseudonyme. Je vais vraiment le mettre hop, beaucoup plus grand. 60, c'est peut-être pas assez. Je vais mettre 75. 75, généralement, c'est énorme, mais voilà. Je passe plusieurs fois dessus. Voilà. Donc là, j'ai ma petite floutaison. Ok.
Donc je l'avais écrit en 70, hein, en taille de police 70. Ensuite, je reprends mon outil d'écriture. Non, annulé. Ah oui, et donc là maintenant, par contre, le calque en question, je fais calque et découpage selon la sélection. Voilà. Et maintenant, je réécris. Non pas en 70, mais un petit peu en dessous, genre 68. Hop, j'écris. MDE, n'importe quoi. Voilà. Je vais le juxtaposer à la floutaison. Alors, moi, je prends toujours, voilà, de. Voilà, comme ça. Donc, j'essaie d'adapter, vous voyez, hop, voilà, de façon à avoir. Voilà, comme ça me paraît peut-être un peu plus. Non, pas comme ça, ce point-là, mais voilà. J'arrive pas à trouver juste au milieu. Ouais, comme ça, c'est bien. Voilà, et donc là, je change la couleur, en bleu par exemple. Allô, oui. En bleu, j'ai dit. Voilà, je les sélectionne. Et voilà, vous voyez, j'ai mon pseudonyme avec le contour noir. Attendez, je vais zoomer pour que vous puissiez mieux voir. Je fais calque aux dimensions, voilà. Et donc si je zoome, hop, voilà. Vous voyez, j'ai mon pseudonyme avec. Alors faut. Je suis déjà pas expo, voilà. J'ai mon pseudonyme avec l'ombre noire que j'ai mis un petit peu comme ça. On peut tricher un petit peu. Hein. Ce sont des calques, hein. C'est toujours des calques, donc. On peut toujours tricher. J'ai mis par exemple voilà deux tailles de différence. Donc l'ombre est écrite à la base en 70 et l'écriture bleue est écrite en 68. Voilà pour donner cet effet justement vu que c'est plus petit en fait l'ombre est ici et là. Vraiment elle est plus étalée comme si la lampe était au niveau du haut du R là. À peu près. Voilà, la lampe, enfin, comme si voilà, vous avez une lampe d'éclairage à peu près à ce niveau-là. C'est un petit peu le. Voilà, c'est comme ça. C'est comme ça qu'on fait une ombre avec GIMP. On peut la faire. C'est vous faites. Enfin, pour du texte, mais ça peut marcher aussi pour autre chose. Hein. Vous prenez deux calques identiques auxquels je ne vous ai pas montré, mais vous avez des. Oups, excusez-moi. Ah, oh, attendez, j'ai. Oula, attendez, excusez-moi, j'ai mon écran qui fait des siennes. Voilà. Voilà, vous avez des outils de couleur où vous pouvez faire varier justement les teintes d'un calque. Ça peut jouer, ça peut. La luminosité, le contraste, vous pouvez jouer sur énormément de choses au niveau des calques. Je ne vous l'ai pas montré parce que ici, j'en avais pas l'utilité. Mais voilà, on peut le faire. Après là, ce que je peux faire là, voilà, par exemple, mon ombre et mon nom me vont très bien là. La couleur me plaît, enfin voilà. Ce que je peux faire, c'est hop, clic droit, fusionner vers le bas, voilà. Et là, je fais ce que je veux. Ça veut dire que je peux redimensionner, si je veux, en mode vraiment rien à foutre. Hop. Excusez-moi, hop, voilà, je redimensionne. Ça. Et là, hop, je prends mon outil hop, de sélection, puis là, hop, si je veux, voilà, je peux même agrandir comme ça si je veux, voilà, si je veux, et puis voilà, mon ombre et le nom collent très bien, donc, ben voilà, je fais absolument ce que je veux maintenant avec cette ombre et ce nom codé, enfin ce nom ombré, je voulais dire. Mais voilà. Comme je l'ai dit, hop, hop, je voulais refaire le fond là qui soit un peu mieux. Donc pour cela, hop, vous vous souvenez, même motif, même punition, hop. Donc je le mets en bleu.
Hop, j'inverse les deux couleurs. Donc je du blanc vers le bleu. Je prends l'outil de dégradé qui est ici. Je veux une dégradée, un dégradé radial. Et on va faire un truc du genre là et là. Et je fais. Tac. Ouais, alors ça s'est pas vu des masses. Quel con. Ok. C'est de ma faute. Là, j'ai dû faire le con. Là. Ouais, j'ai fait le con. Hop. C'est normal. Ok. Bon. Hop. Faut que je sélectionne l'arrière-plan d'abord. C'est pour ça que ça a merdé. Ça, je me suis dit, zut, ça se voit vraiment pas du tout. Et donc là, si je fais ça comme ça. Voilà. Vous voyez, le halo a un petit peu changé. Bon, le nom MDG Normandie, il faut peut-être pas déconner là. Il est peut-être un peu trop gros. Un peu trop mégalo. Parce que je voulais. MDG Normandie. Hop. Alors j'aime bien ces. Hop. Voilà. Donc ça, je le décale comme ça. Et je le fais en. Quoi, 500 par 200, ça devrait le faire. Mise à l'échelle. Voilà, si je veux, je fais ça. Ou pas, hein. Bon, non, ça. Hop, clic droit. Supprimer le canal alpha. Non, c'est pas ça, c'est supprimer le calque directement. Ok, donc là, ouais, contrôle S, pourquoi pas, fichier. Ouais, je vais exporter directement sous la bannière. Et là, je retente l'upload de cette nouvelle version. Alors là, par contre, je suis sûr que la taille, elle est très bonne. Voilà, 500 kilos, 0,5 mégas. Honnêtement, ça va le faire. D'ailleurs, mon illustration, pour une raison que j'ignore, n'a pas été sauvegardée. Une illustration précédente. Attendez, je vérifie un truc. Non, ça devrait être bon. Hop, attendez. Hop, bannière. Bannière.jpg. Hop. Donc là, je l'envoie. Donc l'importation évidemment est plus rapide hein, avec 0,5 mégas. Attendez, 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 attendez. Alors là, putain, et ça me va me tuer. La photo que vous. Non mais YouTube, ça me tue. La photo que vous avez importée est trop petite. Elle doit faire au moins 2048 pixels de large pour 1152 de haut. Alors ça, tu vois, ça aurait été bien de le noter, tu vois, avec taille recommandée de l'illustration, entre tes 2560 de merde, là, avec 1440, là, et le minimum, hein, ça aurait été bien de noter le minimum, au mieux que je me fasse chier, là. Bon, ça fait rien. Ben, ça fait rien, parce que, là, je peux quand même aller un peu plus vite, je fais calque. Non, je fais image, pardon. Image. Échelle et taille de l'image. Voilà. Et là, je peux redimensionner mon image comme je veux. Donc, bon, méga rendu de chez Z. Hauteur, faut que ce soit du 1152. Bah, fuck it. Attendez, attendez, attendez.
image. Taille du canevas. Bah, je vais prendre les dimensions minimum, c'est-à-dire 2148 pour, il me demande du 1,52. Voilà. Je reprends mon petit truc de la Japan. Hop, enfin, bon, oui, parce que j'ai lu Japan sur le calque, mais c'est pas la Japan. Hop, voilà, je redimensionne. Ah oui, alors non. Hop, réinitialiser. Je voudrais garder les proportions. Donc là c'est pixelisé mais c'est normal, hein. Il va recalculer. Voilà, il a recalculé les tailles des la taille des calques originels. Hop, je reprends mon petit outil de radial, je repars de là, admettons. Hop. Bing. Et non, c'est à chaque fois j'oublie de sélectionner l'arrière-fond. Hop, voilà, c'est l'arrière-fond que je veux. Qu'est-ce qui... Ah bah oui, ok, d'accord. Calque aux dimensions de l'image. Hop, on reprend le petit radial là. Hop. On y est. On n'y est pas. On n'y est pas, simplement il manque voilà, ils sont mal placés les. Voilà, comme ça. Et donc je peux encore un poil les un poil redimensionner ce calque. Hop, exporter. C'est la merde. C'est franchement la merde leur truc. Bon, je suis à combien là? 1,3 kg. Hop, pour le JPG. Là, je me suis emmerdé avec plus de 6 heures de boulot. 7 heures de boulot quasiment. Je suis à combien là en temps de... Voilà, on a tourné encore 1h18 de plus, donc ça fait 7h ouais, plus de 7h que je suis sur cette bannière. Et parce que YouTube redimensionne comme des porcs, enfin voilà. Sortie vidéo faible. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? J'ai des drops? Oh, j'ai eu des drops. Il y a eu des drops. Bon, ça va, pas énorme. Ouais, j'ai eu 1000 frames de drop. Bon, désolé. Mais je vous dis, j'ai des problèmes de cou en ce moment. Hop. Oui, donc. Je reviens à mes moutons. C'est dégueulasse! Mais c'est dégueulasse! Amélioration automatique. Non, c'est dégueulasse. Oh, purée! Je peux arranger le truc. Je peux arranger le truc.
Alors attendez. Attendez, attendez. Faut que je note les coordonnées dans lesquelles il prend mon image. Je peux feinter YouTube. Je peux feinter YouTube de mort. Alors, faut juste que je note. S'il te plaît, mon téléphone, tu fais pas le con non plus, toi. Alors, les premières coordonnées, c'est à peu près au niveau du masque d'Ichigo, là. On va dire au niveau de son oreille même. Donc j'ai dû 386. Sept cent trente-huit. Ok. Ensuite, j'ai. Alors, c'est au niveau de la couronne d'Aurora. Donc, on va dire. Alors, attendez. Donc, ça, c'est pour les largeurs. Hein. Donc, au niveau de la couronne d'Aurora. Donc là, j'ai dû 1667 bêtise. Donc 1367 par 636. Ok. 137 même. Et j'ai au niveau ici en hauteur de là, donc 406. Donc c'est 668 668 par 406. Ok. Alors, il va pas être compliqué. Il va pas être compliqué. Je vais redimensionner ce putain de calque. Alors, je sais. On va déjà faire un premier truc. C'est redimensionner comme ceci. Enfin, peut-être pas autant. Ah, attendez, on va avoir simplement. Donc c'est à peu près à ce niveau-là. Non, 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 non. Alors. Faut vraiment que j'utilise que les diagonales. Alors. À ce niveau-là. C'est ça, à ce niveau-là. Ensuite, j'ai ce calque-là. À ce niveau-là. Donc ce qui fait que je dois rebouger comme ceci. Et là, ça colle plus. Ça me tue! Ça me tue! Ça me tue! Comment il redimensionne ça? Parce que là, en fait, si vous voulez, je vais vous sélectionner. Je vais faire réinitialiser, annuler. Je vais vous sélectionner la partie qu'on voit sur ma chaîne. Voilà. Actuellement, c'est ça qu'on voit sur ma chaîne. C'est cette partie-là. Donc l'idée, c'est de redimensionner ici. C'est que le calque soit redimensionné ici. C'est la mort ce truc.
Donc, petite idée. Donc là, si je déplace, voilà, j'ai actuellement ce qu'on voit sur ma chaîne. Donc là, je vais essayer de redimensionner de façon à ce qu'on corresponde. C'est vraiment la mort. C'est vraiment la mort ce qu'a fait YouTube sur ce coup-là. Ok, donc il faut que ce soit comme ça. Ok, je vais reprendre mon petit calque radial. Et on va se mettre ici et là. Et je vais faire ça comme ça. Comme ça. Contrôle Z, c'est pas là que je voulais le faire, c'était sur l'arrière-fond. Il me faut le. Donc attendez. Donc, il me faut les dimensions. Donc ici. Ici et là. Ok. Voilà. Fichier. Exporter vers. Hop. Modifier l'illustration de la chaîne. Donc je vais essayer d'envoyer ça comme ça. On va voir un petit peu s'il me prend l'image ou s'il se fout de ma gueule. Parce que là c'est la même image et j'ai mis tous mes éléments dans l'image qu'il m'a gardé de ma chaîne. Donc là, si ça marche pas, je pète un plomb. Il se fout de ma gueule. Ce truc se fout de ma gueule. Alors, c'est presque bon. Bon, c'est quand même presque bon. Le seul truc, c'est il faut que je rediminue. Enfin, il faut que je rediminue. Il faut que je déplace le tout. Peut-être comme ça. Fichier. Exporter vers. Mais là, pareil, là, j'ai toute une partie qui est coupée, c'est dégueulasse. On va voir ce que ça donne. Je comprends pas. Pourquoi ils donnent pas les bonnes dimensions qu'on veut, quoi? Enfin, je veux dire. C'est la mort, ce truc. C'est vraiment la mort.
1 méga 5. Enfin, 1 méga. Enfin, c'est 1055 kilo-octets. Mon image en JPG actuelle. Bah écoutez, en gros, le personnage de Prison Architect, on voit que sa main. Et Aiden Pierce, s'est coupé juste au niveau de son pistolet. Écoutez, j'ai plus envie de. Bon, dernier essai. Dernier, hein, je vous préviens, dernier essai. Je vais faire quelque chose que je déteste. Mais là, apparemment, bah, je vais être obligé. C'est pas ça que je voulais. Excusez-moi, j'ai un appel. Excusez-moi, je dois transférer un mail et je suis à vous. Mais là, c'est bon. Avec ce que j'ai fait, ça rentre. Mon. Attendez. Voilà. C'est ça. Hop, envoyé. Voilà. J'envoie juste un courrier rapidement. Ça va peut-être provoquer des drops. J'en sais rien. J'envoie du lourd quand même. Ouais, ça a provoqué des drops. Putain, l'envoi d'un mail, ça m'a provoqué des drops. Non mais merde. Enfin bon.
Bon, écoutez, bah ça marche, c'est bon, hein. Donc vous aurez vous pouvez aller voir sur ma chaîne YouTube. Normalement, la bannière, elle est bonne. Attendez, excusez-moi. Hop, contrôle 0. Si je fais contrôle 0, pourquoi je suis à 80%? Contrôle 0. Oh, c'est chelou. C'est méga bizarre. Bon, ça fait rien. Vous verrez, ma bannière, elle est là, elle est présente. Je rafraîchis juste la page pour voir si ça a bien été enregistré, parce que tout à l'heure, quand je suis revenu, ça l'a pas changé. Ou alors, faut le temps vraiment que ça se prenne en compte. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Donc voilà, donc ma bannière, elle est là, elle est faite. Je pourrais y intégrer des trucs à droite et à gauche. Et c'est bizarre, en fait, j'étais en zoom de 80% parce que sur mon second écran, je suis obligé de me mettre en zoom de 80% pour le live. Bon, bah écoutez, ça fait 1 heure et demie que je tourne. Alors, petit fun fact rapide. Alors, faut savoir que je tournais, donc, enfin, que je liveais avec Split, mais que je recordais donc évidemment la rediffusion avec Action, le logiciel MiriLis Action. Mais le problème, c'est que je sais pas pourquoi j'ai un conflit avec mon micro. Apparemment, mon micro peut pas être lu à la fois par Xsplit et par Action, ce qui fait qu'en fait je vais devoir. J'ai fait ça pour les deux premiers lives, hein, déjà, mais je vais devoir reprendre l'audio de ce live, couper juste le début au moment où j'ai lancé la VOD. Et la mettre en piste audio de mon record local. Voilà, je vais m'éclater à faire de la synchronisation son, tout ça d'ailleurs, vous avez pu voir lors de la première partie, la synchronisation est pas top. Bon, enfin bref, c'est tout, c'est comme ça. Hein. Je sais pas pourquoi ça Mirilis m'emmerde. Mais bon, c'est comme ça. Eh ben écoutez, je vais faire ça. Et puis faire le time-lapse, parce que mine de rien, voilà. Je vais faire le time-lapse. Et puis ben sur ce, je vous dis à bientôt.